il est venu au moment où nous avons la peine, il était à nos côtés. Lorsque nous avons la joie, il était à nos côtés. Lorsque il y avait, par moment, il venait par surprise, nous posons des questions. Mais c'est quel genre de député qui nous fréquente comme ça? Alors, nous sommes réunis pour dire, mais diantre, il fallait que nous nous rapprochions de ce monsieur. Parce que par le passé, nous n'avons jamais vu cela. Je passe sous le contrôle de toutes les têtes couronnées ici présentes. Nous n'avons jamais vu cela. Alors quand quelqu'un est élu député, ce dernier, il est dans son petit coin, il attend 5 ans après pour juste venir nous dire bonjour. Mais notre frère, notre fils, il a toujours été avec nous. Nous voulons dire vraiment merci à notre papa pour le geste qu'il a fait. Et lorsque nous avons eu l'information que c'est Diaoufoué qui va conduire le PDCI à Yopougon, moi qui suis en train de vous parler, je suis RDR. Merci. Moi qui vous parle, je suis RDR. Tous ceux qui sont ici là, il y en a qui ne sont pas du PDCI. Mais c'est l'homme Dia qui nous a fascinés. C'est l'homme Dia qui nous a élevés, qui nous a respectés. Il a fait ce que, quand on est maire là, ce qu'on fait là, il a déjà fait dans nos villages. Je suis convaincu que notre papa n'a pas eu tort de faire confiance à son fils. Au soir du 2 septembre, nous allons courir d'Abidjan jusqu'à Daoko. Même si papa est couché, nous avons dit, papa, nous vous avons promis la victoire à Yopougon. La voilà. Que Dieu vous entende. Ya. Agnon. Et voilà, nous avons dit, quand yo. On fait un quai. Je prends la parole ce matin en ma qualité de délégué communal Yopougon-Niangon pour exprimer ma joie. Parce que nous avions un souci au niveau de Yopougon, une indiscipline totale. Et je me suis réveillé agréablement ce matin où j'ai constaté que vous aviez mis de l'ordre dans la commune de Yopougon. À Yopougon, c'est vrai. Ouais. Donc je ne pouvais pas passer sous silence cette grande décision. Donc je voudrais sincèrement, Monsieur le Président, vous dire merci, parce que nous savons que demain sera meilleur pour nous. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Merci. La société civile par Samba David. Je suis ici pour dire merci à un homme avisé qui, assis, a vu là où le jeune levé regardait. Pendant que nous avons appris que les élections municipales à Yopougon devraient avoir lieu en septembre 2023, nous sommes demandés, est-ce que celui qui a laissé des traces, celui en qui nous nous reconnaissons, celui qui est arrivé là, son destin, par son caractère, devrait être choisi par sa famille politique? Et un matin, nous apprenons que notre souhait, notre vœu a été exaucé par le président Henri Colombe Diéh. Nous venons donc lui dire merci, parce que même si ce choix n'avait pas été fait par le PDCI, nous serions venus demander au PDCI pour que ce monsieur soit nous notre candidat, nous soit décidé. Il y a la politique que les gens attendent les périodes électorales pour venir promettre terre et merveille à tout le monde. Il ne s'est pas reposé une fois. Un jour, dans notre entretien, je lui ai dit, est-ce que ce que tu as commencé là, tu vas finir? Il dit, je vais finir. Et effectivement, il a tenu parole. Je suis aujourd'hui à ses côtés parce que c'est un homme de caractère, comme je le suis. Je suis à ses côtés
parce qu'avec lui, c'est une nouvelle vision à Yopougon. Je suis à ses côtés avec les autres pour que une nouvelle vision soit faite à Yopougon. Cher papa, Henri Konan Bédié, vous avez donc notre grand merci. Il y a des bruits qui courent à Yopougon. Ne sous-estimez pas votre fils. Et si vous l'avez choisi, nous savons que vous ne le sous-estimez pas. Il sait où il va et avec qui il va. Quelle que soit la mission à lui confier maintenant pour la commune de Yopougon, il vous ramènera la victoire, même seul. Nous avons décidé de porter à la tête de la commune de Yopougon un homme de vision. Quelqu'un qui n'a pas besoin de porter une autre veste pour se faire accepter. Dia est une personnalité. Et nous l'avons accepté. Je voudrais donc finir par ces propos pour dire, quand des gens se sont toujours prévalus d'un nom, et le jour où on leur donne l'occasion de démontrer ce pourquoi ils sont toujours exclamés et qu'ils disent non, j'attends que nous soyons deux, imaginez qui cette personne est sans ce nom-là. Dia, c'est Dia. Les autres ont emprunté un nom. Et c'est grâce à ce nom-là qu'ils existent. Merci bien. Merci. Je vais le dire haut et fort que le PDCI-RDA est un grand parti et le PDCI-RDA va gagner la mairie de Yopougon et viendra vous le confier ici. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous accorde la santé, la santé, la santé. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, membres du PDCI-RDA, la délégation de Yopougon, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom du président du parti, Son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, pour vous remercier. Il a été attentif à tous les propos qui ont été tenus ce jour. En retour, il me charge de vous rassurer que de la même manière, il a marqué sa confiance en Diaoufoué pour les législatives. Il a fait preuve, il a mérité sa confiance. C'est pour ça qu'il a renouvelé sa confiance pour les municipales. Gardez le corridor de collaboration afin qu'ensemble, nous puissions chaque jour marquer un pas jusqu'à la victoire de septembre 2023. Enfin, je prends le chat de vous dire merci pour le beau présent et allons pour la victoire. Pour remercier tous de cette participation intense au projet que nous avons formulé avec mon fils Diaoufoué. Je voudrais souhaiter à chacun un bon retour en famille et une bonne santé et surtout la victoire au lendemain des élections. Merci.